Parfait. Ouais. C'est bon. Alexis, c'est ça. Oui. Les gars, je suis trop fort. Les gars, je suis trop fort. C'était gênant de ouf. Yo tout le monde, j'espère bien, on se trouve plus loin de haut. Aujourd'hui, je vais aller dans Hooters et manger là-bas et découvrir la nourriture parce que c'est la première fois que je vais aller là-bas. Et pour vous mettre dans le contexte, Hooters, j'ai découvert ça il y a quelques mois, ok? J'étais sur TikTok et tout, tranquille. Et là, je voyais plein de vidéos là de Hooters. Et je croyais que c'était juste aux États-Unis, mais là, j'ai découvert qu'il y en avait un pas loin de chez moi. Donc là, on va y aller, on va manger là-bas et on va voir comment c'est, quoi. Et ceux qui connaissent pas Hooters, je vais vous montrer. C'est ça Hooters, les gars. Voilà Hooters pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est ça Hooters. Là, on va y aller, on va manger, on va découvrir la bouffe. Surtout leurs ailes de poulet, là. J'ai beaucoup entendu parler de ça, donc là, tranquille. Et les gars, c'est un restaurant familial, hein. Je tiens à préciser, genre, je sais pas, il y en a qui pensent bizarre, là. Sur TikTok, je vois plein de familles qui vont là-bas. Je vois des bébés qui vont manger là-bas. Je vois des pères, mères, filles, fils qui vont manger là-bas les matins, le soir, tu vois. J'espère que ça va être ouf. Et que ça va être bon. Les gars, tellement je suis fort, je vais pouvoir arrêter le métro avec mes mains, ok? Quand il va venir là, je vais vous montrer comment je vais faire, ok? Regardez comment je l'arrête. Je l'arrête avec mes mains, les gars, c'est moi qui l'ai arrêté. Vous avez vu ça? Plus je m'approche du Hooters, plus j'ai... C'est comme si je ressemble à la gêne, les gars. C'est un resto, frère, pourquoi être gêné, frère? Allez, vas-y là, frère, j'ai fait une longue route. En passant tout à l'heure, je vous ai dit que la route n'est pas longue, hein? Ouais, ouais, blablabla, je vais faire carré. Non, la route est d'une heure, frère, une heure de chez moi. En métro. Donc là, j'ai fait toute cette route là pour venir ici et dire que je suis gêné. Non, pourtant, on va y aller, on va manger là-bas. On va rentrer dedans, on va manger là. Et je suis capable de traverser au feu rouge. J'ai envie de traverser maintenant là, au feu rouge là. On le fait ou pas, les gars? Oui! Oh oh! Genre, les gars, j'ai failli traverser au feu rouge là, il y avait la police juste là. Hé, hey, c'est dangereux ça, hein? Là, je peux traverser. Là, je peux marcher là. Vous habitez ici? Do you know English? Yeah. Do you live here? A little bit ahead. Okay, how's Montreal? Because I'm from Toronto. I'm from Toronto as well. But too? Yeah, it's nice. Yeah, yeah, yeah. Okay. I'm planning to move here. Oh, okay. Yeah, yeah. Okay, thank All you. Right. All yeah. right, see you. Have Bye. A nice day, Ben. Je l'ai dit que j'habitais à Toronto et que je vais déménager ici, là. Et il a dit que lui aussi, il habite à Toronto, donc c'est important à moi, là. C'est pas tranquille. Hey. Les gars, le temps en plus il est pluvieux là, tu vois. Ça c'est un vibe de t'écouter en bas des couvertures, Netflix et tout. Mais là je suis sorti dehors pour vous, pour moi, pour mon ventre là. Parce que là, je commence à avoir faim là. La vérité, j'ai pas rien mangé depuis le matin. What? C'est quoi ça, frère? Accroché au mur en plus. Dehors en plus, frère. Ça se fait pas là. Arrêtez là. What? Frère, qu'est-ce qu'il fait, frère? Pourquoi il est sorti de là? Regardez comment ça fait peur ça. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? À gauche? Ouais, comme ça fait peur. Oh, c'est un hôtel? Ouais. Ok, ça fait peur, après ça donne un peu la fouille là. Ok, merci, bonne journée. Hein. Ouais. Vous avez entendu son rire, frère? En tout cas, j'ai fait sa journée là. Les gars, je suis devant le Hooters là. Il est juste là, je me suis trompé de route là. Là, il faut que je me traverse la route. On peut y aller. Fais attention, ok. Faut toujours regarder gauche, droite avant de traverser, les gars, ok. Je vais entrer, je vais m'asseoir, je vais manger, ok. Comme on a prévu. Photo, je t'aime, mon gars. Like la vidéo. Si t'es rendu à la de la vidéo, dis je t'aime dans les commentaires. Là, je fais carré, là, tu vois, genre. On est là. Je dis de la merde, mon gars. Je dis de la merde, mais bon. Ouais, bonjour. Hi, bonjour. C'est à ça que ressemble le menu à Hooters, les gars. Je vais juste prendre les ailes de poulet et des frites et une boisson, c'est tout. Pourquoi il me regarde comme ça, bro? Il y a une meuf qui me regarde bizarrement, bro. Est-ce que je peux prendre le... ce qu'on a dit tout à l'heure, là? Le boneless? Le special boneless? Ouais, aile de poulet, frites. Oui. Et la boisson, je vais prendre. Est-ce que vous avez dit... Je vais prendre le thé glacé. Les gars, je sais pas si je peux filmer les meufs ici. Mais je vais demander à une meuf. Je vais demander la permission, ok, avant de les filmer. Je vais demander à une, là, si je peux la filmer, ok? Depuis que je suis arrivé, là, je suis assis, là, et elle me regarde d'une certaine façon, là. Ça m'intimide un peu, là. Donc, est-ce que tu peux juste... Arrêtez de me regarder, s'il te plaît, plutôt. Tourne-toi, s'il te plaît. Genre, arrête de me regarder. C'est pas comme ça, là. Ça fait un peu peur. Là. Juste, tourne-toi, ok? Elle, ça, il me va monter. Vous avez vu ça ou pas? Vous avez vu ça ou pas? Elle travaille ici. Les gars, mon plat est arrivé, là. Donc, voici les frites et apparemment les ailes de poulet sans eau. Sans eau. Donc, là, je peux les arracher, là. Et les dévorer d'un coup, là. Les gars, il faut que je filme une meuf. Il faut que je vous montre une meuf, frère. Je m'en fous. Attendez, je vais amener une meuf. Yo, c'est un nouveau? Ah, il est fermé? Ouais. Ah, ben là, là. Ah, ok, thanks. La bouteille de ketchup était fermée, frère. C'était une nouvelle bouteille. Donc là, quand elle va revenir, je vais lui demander si elle est dans ma vidéo. Je m'en fous. Si je lui demande pas, mon gars, j'ai pas de couilles. Si je lui demande pas, j'ai pas de couilles.
Merde, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit, frère? A few moments later. C'est la première fois que je viens ici. Ok, donc ici, c'est vraiment bien. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'étages, donc c'est beaucoup de marches, un workout en même temps. Ok, il y en a encore. Oui, en fait, on a un deuxième en haut qui est un autre bar et un autre salle à manger. Ok. Puis le troisième, c'est la cuisine. Okay, c'est beaucoup de marches. Ok. Travailler ici, c'est un workout. Ok, et est-ce que c'est comme. Parce que je voyais plein de TikTok là. Est-ce que pour les anniversaires, vous mettez des canards là? Oui, je pense que ça, c'est plus aux États-Unis. Ok. Oui, parce qu'ici, ce qu'on fait, c'est qu'on a une chanson thème pour les fêtes. Ouais. Ok, vous chantez. Oui, mais comme moi aussi, je suis nouvelle ici, donc. Ok. Ouais. Chef. All right. Hey, thanks. Les gars, je dis quoi? J'ai des couilles. J'ai réussi à filmer la meuf. Je l'ai demandé si elle est dans ma vidéo. Elle a dit oui. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu stressé. Hein. Mon cœur battait un peu là. Là, mon cœur bat encore, les gars. Mon cœur bat encore. Mais là, pour la miniature, là, je vais demander à des meufs si je peux prendre une photo avec elle. Pour la miniature. Donc, si la miniature de la vidéo est moi avec des meufs hooters, c'est que j'ai réussi à les gérer pour être dans ma miniature. Si j'ai pas réussi, c'est que je me suis dégonflé, tu vois. Ouh! Et les ailes sont piquantes. Les ailes sont piquantes et elles sont bonnes parce qu'il n'y a pas d'eau, tu vois. La vérité, c'est bon. Mais ce qui me manque à côté, je pense, c'est un riz, tu vois. Un bon riz, là, de ma daronne, là. Ça va être parfait. Je vais goûter la sauce French. Hein. On va voir si c'est bon. Pas ouf, j'aime pas. Je préfère le ketchup ou la sauce piquante, là, qui est déjà dans les ailes de poulet, là. À la sauce French. Pas trop la sauce French. Les gars, voici mon dernier poulet, les gars. J'ai fini mon plat, là. La vérité, c'était pas mal. J'ai pas envie de parler trop fort ici, tu vois. On va parler dehors. Je vais lui demander maintenant pour la miniature, là. Je vais demander à la meuf. Comme tout à l'heure, là, quand j'ai dit que si je le fais pas, j'ai pas de couilles, là, ça va donner des forces. Là, je vais pas le redire parce que je suis pas sûr de pouvoir réussir à demander de faire une miniature avec moi, tu vois. Je vais pas dire ça, frère. Il y a beaucoup plus de gens qui viennent le lundi que les ailes de poulet, ça va monter. Ouais, j'entends beaucoup parler de ça. C'est pour ça que je vais tester. Mais parfois, le lundi, c'est comme à coup de 10 ailes, puis tu choisis la sauce, puis tu peux changer à chaque fois. Ok. Non, Junior, demande pour la putain de miniature, frère. Demande pour la putain de miniature. Allez, on y va. Oh, mais ça va être gênant, frère. Est-ce que tu peux être dans ma miniature pour ma chaîne, pour ma vidéo? Les gars, en essayant désespérément de faire ma miniature, je marchais comme ça pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines de minutes. Je tournais en rond, je regardais le ciel, la lune, le sol, jusqu'au moment où... Hello, c'est vrai? Yeah. Tu veux? Ça va, tu peux faire avec elle. Ok, c'est juste... Outer, c'est Ouais, Outer. C'est ça, c'est juste pour la miniature, là. C'est comment? C'est comment? Les gars, j'ai fait la miniature, les gars. J'ai réussi. Les gars, je suis trop fort. Les gars, je suis trop fort. J'ai réussi à faire la miniature, frère. C'était gênant de ouf. J'ai pris la meuf comme ça. J'ai demandé est-ce que je peux te prendre, est-ce que je peux te prendre comme ça. Elle a dit ouais. Je sais que pour vous ça va faire peut-être quelques secondes là, mais moi les gars ça fait 20 minutes que j'attends, hein. Ça fait 20 minutes que je tourne en rond pour pouvoir faire la miniature là. Et j'ai réussi à la faire. Oh, c'est pour ça que je suis hype là. Je sais que vous la voyez pas la hype là. Non, vous voyez la hype, mais vous comprenez pas pourquoi je suis autant hype. Les gars, ça fait longtemps que j'attends là. La meuf elle servait les clients là, elle servait les clients. Moi j'étais comme ça à l'entrée, je suis comme putain comment je vais faire ça les gars. Comment je vais faire ça. Là elle est venue, j'ai dit est-ce que je peux faire tu peux faire une miniature avec moi pour ma vidéo. Elle dit oui, pourquoi pas. Ouais. Après là j'ai dit ok. Et là on est resté debout comme ça. C'était hyper gênant. Après là j'ai dit est-ce que je peux te prendre comme ça. Là c'est mieux là. Hooters, mon restaurant préféré maintenant, frère. Mon restaurant préféré. Qu'est-ce que je fais ici. Ouh. Ouh. Bon les gars, abonnez-vous, likez. Et si vous voulez que je reparte là-bas, mais cette fois-ci là, et j'aurai aucune peur, frère. Je serai pas un petit peureux là. Non. Là, je vais te parler, là, j'aurais pas peur, frère. Je serais pas gêné, rien. Non, cette fois-ci, j'étais pas gêné. C'est parce que c'était ma première fois, tu vois. Genre, première fois, tu vois, expérience, nouvelle expérience. Donc là, on est comme, oh, tu vois. Partage la vidéo si tu veux que je revienne ici.
et que je fasse une partie 2, envoie-moi sur Instagram, montre-moi une preuve que tu as partagé la vidéo et je vais revenir aussi et prendre d'autres poulets. Parce que les poulets que je voulais prendre de base là, c'était avec des os et tout. Mais là, aujourd'hui, j'ai pris des poulets sans os et tout. On m'a dit qu'avec les os, c'est juste les lundis, je sais pas quoi. Mais bon, et là, j'ai des maux de tête là. C'est genre, c'est comme si j'ai utilisé toute mon énergie de mon cerveau là pour pouvoir faire des choses. Donc là, maintenant, j'ai des maux de tête là parce que genre, toute l'énergie, la puissance de mon cerveau a été utilisée pour pouvoir réaliser la miniature que je viens de faire. Mais bon, oh, j'ai des maux de tête, frère. En plus, je suis loin de chez moi, frère. Une heure. Allez,